Hey, salut les gens, c'est Samtix et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo de présentation sur un jeu qui n'est pas encore sorti mais qui m'a l'air de promettre de grandes choses. Il s'appelle The Forest. Alors qu'est-ce que The Forest? Et bah tout simplement The Forest c'est un jeu survival horror en open world qui en fait raconte pas. C'est une personne, on joue une personne qui a eu un crash, qui était dans un crash d'avion, c'est le seul rescapé, et du coup il se retrouve sur une île où il est obligé de survivre. Alors pour survivre on pourra abattre des arbres, enfin les couper, et crafter plein de petites choses pour pouvoir se construire un abri, des maisons, etc. quoi. Et en fait le problème c'est qu'on n'est pas seul sur cette île. Sur cette île il y a des espèces de mutants, enfin de personnes vraiment bizarres. Vous verrez dans, je mettrai les vidéos de présentation qui a été fait par, par les gens, les créateurs du jeu quoi. Et du coup il faudra arriver à survivre aussi par rapport à eux, parce qu'eux ils voudront nous tuer hein. c'est des mecs un peu bizarres, vous verrez très bien ça. Et en fait, il faudra aussi qu'on arrive à se nourrir, trouver de la nourriture, quoi. Je pense qu'il y aura sûrement un côté chasse, mais aussi, apparemment, il y aura aussi côté de la culture, disons. On pourra trouver des graines, de plantes, de divers trucs pour cultiver de la nourriture, quoi. Et après, il faudra aussi arriver à, comment dire, à se protéger, parce que un peu comme dans Minecraft, d'après ce qu'ils disent, durant la journée ce sera très très tranquille, ce sera un peu les moments de craft et d'exploration de l'île, et la nuit c'est là où ça devient plus chaud et où il faut arriver à résister, en fait, à ne pas mourir quoi. Donc il y aura soit la solution de on reste barricadé dans son abri tranquillement et on met des pièges autour histoire de bien le protéger, soit on ira directement à l'attaque contre les petits mutants. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ah oui, il y a le côté aussi où je crois que c'est la nature aura sa propre vie, en fait, son cycle de vie. On verra les plantes au fur et à mesure grandir et puis mourir. Parce que je trouve qu'il est plutôt pas mal, ça fait très réaliste. Et aussi le cycle des marées sera fait en fait. Entre le cycle jour et nuit, les marées seront différentes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore que je peux vous dire? Ouais, apparemment il y aura un vaste réseau souterrain aussi, que ce soit de grottes ou de lacs souterrains, ce qui peut être super bien pour l'exploration. Je trouve ça, s'ils les ont bien fait, ça va rendre vraiment super des explorations vraiment sympathiques. Et on pourra, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Ouais, on pourra crafter aussi des armes rudimentaires quoi, avec du bois, de la pierre, les matériaux qu'on a sur l'île. Et le feu sera important aussi pour pouvoir se réchauffer. Donc je pense que s'ils disent ça, c'est sûrement que on aura besoin, s'il pleut ou des choses comme ça, on risque de tomber malade peut-être, des choses comme ça, donc il faut mieux se réchauffer quoi. Et donc voilà, pour l'instant on s'est dit que ce sera juste, il y aura juste du solo, il n'y aura pas de multijoueur sur ce jeu pour le moment, il y a juste ça qui est dit. Et il n'y a pas encore de date de sortie prévue, mais par contre ils annoncent une pré-alpha normalement en 2014 là, très bientôt d'après ce qu'ils disent. Mais bon, après très bientôt, si c'est comme DZ et que c'est dit très bientôt et qu'à chaque fois ils reculent, voilà quoi. Enfin, on verra bien, mais j'espère que ce sera assez vite. Je mettrai dans le lien de leur site officiel dans la description pour que vous puissiez vous tenir au courant régulièrement. J'essaierai aussi de tenir au courant de temps en temps si j'y pense. Et puis voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit dessus. Enfin, j'espère en tout cas. Et donc, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne nuit, ça dépend de quand c'est que vous le voyez, et vous dire
à une prochaine, dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!